Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Média là, et puis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, nous intéresser, ou pas oublier abonner avec Bombard Média là, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Média là. Et bien, nous pas perdre du temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. 8, 30 juin pour entrer 1er juillet 2020 qui s'est passé là. Il y a une ambulance entre ambulance nationale qui est séquestrée par des hommes armés dans la zone de Savien. Il y a une note de presse que nous-mêmes, dans le centre ambulance nationale, nous avons publié dès le 1er juillet pour nous informer la population de ça en général, pour nous informer l'autorité policière de ça. Ambulance à son ambulance qui était fin fait en urgence dans l'hôpital universitaire Mianbalet. Son ambulance qui est basée dans le nord-est, pays. Il est sorti dans l'hôpital dans le nord-est. Il transporte un patient à Mianbalet. Il a sorti Mianbalet puisque tu as gagné une difficulté par rapport à Routio dans le plateau central. Il est passé par la Tibonite pour le retourner monter dans le nord. Et ça passait vers zone 11h30. L'ambulance là arrivait dans le niveau Savien. Des hommes armés campés en ambulance là. Ils ont fait personnel qui était dans l'ambulance là descendre. Ils ont séquestré l'ambulance là. Personnel là te retrouvé la nuit là à pied, non zone que le va connaître. Là ils ont fait stop sur route là. Gagné un bon samaritain qui était campé machine ni qui était prend eux contre avec eux naïve qui hébergé eux. Dès le lendemain, l'équipe là est rendue dans la direction départementale PNH dans la Tibonite. Côté que vous avez fait une déclaration formelle dans SDPJ, qui c'est service police judiciaire au niveau départemental, vous avez fait une déclaration formelle. Et nous-mêmes, au niveau centre ambulancier national, direction, nous écrit ministre Marie-Gretara Clément pour nous informer de ça. Et nous alerter l'opinion publique sur ça. Deuxième information que m'a partagée avec nous, c'est que tout de suite après, dans la nuit 2 à 3 juillet, nous avons parlé d'un événement qui passait dans la nuit 30 juin pour entrer 1er juillet. Maintenant qu'on est dans la nuit 2 à 3 juillet, Centre Ambulancier National recevait une alerte d'urgence pour un accident qui fait dans la zone Duval. Bon côté, tout près de l'hôpital, la Sainte Famille, dans la zone Duval, accident a été impliqué en camion avec une moto qui a gagné 3 personnes sous lui. C'est relais, c'est appel nous recevons dans 116 pour urgence ça. L'ambulance l'a présenté, l'ambulance l'a pris un cas qui était plus grave là, qui c'est un patient de sexe masculin entre 32 et 34 ans, qui était conscient, qui était complet ouverte. Ça veut dire, il a gagné. Yon plaie cap sain elle t'a gagné yon membre inférieur qui apparemment était fracturé. Ambulance l'a prend lit littéralement devant l'hôpital de la Sainte Famille là. Le temps que l'ambulance arrivait quand Fomarasa, gagne un groupe monde qui saignait ambulance là. Gagne là dedans qui t'a gagne zam, gagne là dedans qui t'a gagne manchette. Là au camp ambulance là, il fait personnel là descendre. Et il y a un individu qui montait derrière l'ambulance là côté patient et lui-même il tirait sur patient à bout portant dans même zone côté patient gain plein par balle là individu ça qui montait ambulance il tirait patient devant choc que ça provoquait par équipe ambulance là il dit c'est pas avec nous dans affaire nous mettre déplacer aller avec ambulance là. Cadavre là n'a jeté n'importe qui côté. Patient ça lui-même l'était suivi jusqu'à ce que l'ambulance arrive à l'hôpital général. Ça veut dire après événement ça a fini passer équipe ambulancière là lui-même qui fait travail lui, il rendait compte que patient en vivant et patient a parlé dans l'ambulance là. Il descend infirmière la descend, il repasser derrière ambulance là, il bat patient en soin jusqu'à ce que patient arrive à l'hôpital général. Information que moi je joigne par la suite, apprendre que le patient ça a dit décédé l'hôpital général 3 à 4 heures de temps après que le fin arrivé l'hôpital là. Encore une fois, moi-même personnellement, moi j'étais pris initiative contacter
direction centrale police judiciaire, parce que centre ambulancier national gain contact avec la police. La police connaît les noms pour des alertes d'urgence. Nous-mêmes, nous connaissons la police pour nous prendre information par rapport à certaines zones. Par exemple, information qui a circulé fait qu'on a une des zones qui ont tiré la donne. Donc, ça veut dire, moi, j'ai contacté direction centrale police judiciaire, que j'ai rencontré avec responsable AI, DCPJA, que moi j'ai expliqué ça, et bon correspondance formelle que moi j'ai adressé dans ce sens-là. Par la suite, ministre Marie-Gretora Clément, lui-même, il était adressé direction générale de la police sous deux faits sérieux qui arrivaient en moins d'une semaine et qui portaient agression à ambulance et personnel qui a travaillé dans l'ambulance. Et non seulement le ministre a été adressé directement en correspondance à direction générale de la police, mais tout le ministre a soulevé cas d'insécurité sahéo dans le conseil des ministres. Maintenant, nous faisons note de presse, correspondance formelle sortie, à la fois de centre ambulancier national que de ministère de santé publique. Ça veut dire autorité policière et autorité judiciaire dans le pays, ils sont au courant. Ils sont au courant que l'ambulance centre ambulancier national, immatriculation SE03636, qui clairement identifié ambulance ça depuis plus de mois, les séquestrés par des hommes armés dans la zone de Savien. L'important pour nous comprendre que y a une ambulance qui est contrôlée par des hommes armés, les représentants un danger pour toute population. Au niveau centre ambulancier national, nous recevons diverses informations qui fait donc quoi que ambulance est utilisée à des fins malhonnêtes, soit pour faire embuscade à l'autre machine sur route là, soit pour faire des transports que c'est pas ça là pour le faire. Nous pas qu'à accepter un bagage qui est inacceptable. Et nous tous nous qu'à comprendre qu'il y a un impact psychologique. Événement ça a gagné son employé centre ambulancier national, qui au même a continué à faire travail, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Ambulance qui séquestrée dans la zone Savien, ça a été fait vers 11h30 minuit. Ambulance que individu armé monté et tiré patient là dedans, ça a été fait vers 1h du matin. Slogan centre ambulancier national, c'est toute urgence, tout côté, tout temps. Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le personnel centre ambulancier national lui-même, les grandes préoccupations par rapport à la sécurité dans le travail que l'a fait, nous comprenons que ça a son bagage qui est nuisible à poursuite d'activité. Oui, ministère là prend responsabilité pour accompagner personnel qui était dans l'ambulance, qui séquestré dans la zone Savien, personnel qui était dans l'ambulance, qui était prenant un bus 4 Kafoumara Sara, personnel là ouais psychologue, il parle avec psychologue, personnel là exprimé moi-même personnellement, soulagement que le gain de ce qu'il était capable de rencontrer un spécialiste, un psychologue pour dire comment il senti après un événement comme ça. Nous-mêmes dans le centre ambulancier national, nous partageons moi-même avec un autre personnel qui subit genre d'agression, ça y est encore. Nous partageons moi-même avec un ambulance dans le centre ambulancier national subit agression. Et surtout, nous avons demandé pour ambulance qui séquestrée, les retourner, les remettre à centre ambulancier national pour nous capables de gagner plus d'ambulances pour nous continuer à faire travail. Nous. Et une autre fois encore, m'a dit, ce qui passe, c'est une ambulance centre ambulancier national. C'est personnel centre ambulancier national qui subit. Cependant, il y a une répercussion sur toute la population. Le gagnon ambulance en moins pour faire travail là, ça veut dire gagnon urgence que nous pas qu'à répondre parce que nous avons une ambulance qui juste pas disponible pour faire ça. Dans zone nord-nord-est, je dis à côté m'a parlé là, gagne à peu près, entre département nord et département nord-est, gagne 5 ambulances qui fonctionnent. Il y a 6 ambulances que, ils séquestré dans zone Savien, qui retiré, on y a arrêté 5. Nous avons une ambulance qui est en panne,
que nous avons fait effort pour nous réparer, pour nous remettre en circulation. Nous-mêmes dans cette ambulance nationale, jusqu'à l'heure que je parle avec nous aujourd'hui, pas qu'on quartier, pas qu'on zone, nous avons fait une urgence que nous-mêmes n'avons pas allé. Bien entendu, ambulancier, c'est moun qui a conduit. C'est infirmière qui a déroulé les soins, c'est secouriste qui a déroulé les soins. Nous avons besoin d'assurer nous à tout moment que la zone côté de bralé, pas qu'il y ait des tirs de façon active qui a fait dans la zone. Et même il y a des cas côté que nous recevons appel pour des zones côté que y a tiré qui a fait là-dedans. Dans le moment où nous recevons appel là, nous demandons pour yo mener mon nan pi devant ba nous. Ou bien, on nous prend, essayer mettre mon nan son moto ou bien son autre machine, retirer dans la zone côté tir là, faites la potel pour nous et nous venons prendre. Parce que nous comprenons la responsabilité nous. Nous comprenons le travail que nous avons fait dans le service population et que nous n'avons pas qu'à camper. Travail ça, en toutes circonstances, nous obligés de faire devoir nous. Nous obligés de prendre responsabilité nous. Cependant, nous arrivons dans une situation côté que nous avons obligé de des mesures de restriction par rapport à déplacement ambulancier. Si une ambulance dans la zone ça vient, que nous n'avons pas de contrôle, qui sous contrôle un groupe armé, nous pas besoin de mettre abscès sous clou. Donc ça veut dire, nous passer instruction formelle à flotte ambulance qui est dans la Tibonite là, pour éviter autant que possible zone ça vient. De créance en matière commerciale, pour après ça, on continue dans des réunions en matière sommaire. Référé, c'est vu de l'urgence, toujours gagné référé, on a continué à faire audience référée pendant vacances. Ça veut dire nous planifions ensemble des activités déjà, mais c'est arrêt de travail référé pour faire nos propres exécuter. Mais nous faisons plus d'efforts. On est capable de comprendre que l'organisme plus que 2000 personnes. En situation de détention préventive volontaire, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on est capable de résoudre le problème. Son travail de longue haleine, c'est pas jambes la guerre. C'est comme ouais, dans un écrit passé, côté même quand nous en période de vacances judiciaires, tribunal premier instant de mort, c'est qu'on a fait 5 audiences criminelles par jour. Avec dit, malgré nous en période de vacances judiciaires, nous devons faire 5 audiences. Mais nous sommes capables de comprendre toutes les zones. Il y a un tribunal pour mettre de Port-au-Prince. Ce sont des zones qui sont difficiles d'accès. Heureusement, nous, le climat sécuritaire a amélioré considérablement ces derniers jours. Pas pour qu'on ait fait assise criminelle avec assistant du jury, mais on a gardé dans quelques mesures. À partir de la semaine prochaine, nous allons commencer une session criminelle sans assistant du jury. En attendant, les choses vont améliorer net. Pour nous, dans le fiscal, pour prochain arrivée, octobre et décembre prochain, c'est la concession criminelle avec assistant du recevoir monde, mais c'est redynamiser nous pour nous capables
pas quitter de tâches nous comme fonctionnaires de l'État. Vous êtes payé pour nous capables de prendre audience, eh bien, nous prenons audience correctement. Avec doyen, avec commissaire et substitut, eh bien, c'est pour nous capables de mettre nous gagner une synergie, pour nous développer une synergie, pour que nous combattons les détentions préventives prolongées. Les détentions préventives prolongées, il était un défi pour le ministère de la Justice, mais nous-mêmes, nous venons avec collaboration que tout acteur judiciaire a banon pour nous capables de combattre, pour nous capables de lutter contre la détention préventive prolongée. Commissaire du gouvernement, mettez-nous à l'œuvre. Juge de paix, mettez-nous à l'œuvre. Juge d'instance, mettez-nous à l'œuvre. Juge d'instruction, mettez-nous à l'œuvre. Doyen, mettez-nous à l'œuvre. Parce que nous pas qu'à quitter Bayo à marcher comme ça. Nous pas qu'à quitter international à clouer nous comme ça. Il faut que nous remettons fonction, mais il faut nous remettre travail tout. Parce qu'il faut que nous travaillons pour nous capables de bailler rendement. Et rendement, c'est ce qui m'a pas attendu de nous. Résultat, c'est ce qui m'a pas attendu de nous. Parce que moi, j'ai gagné une mission. Mission que j'ai gagné, j'ai la mission de réduire le taux de la criminalité dans le pays de concert avec la peine. Cette question de gang, il faut qu'il disparaisse. Cette question de gang armé, il doit disparaître. Nous là pour nous capables de combattre l'insécurité foncière. Vous, commissaire du gouvernement, vous, juge, vous, notaire, vous, apporteur, vous, officier d'état civil, eh bien, nous avons formé en tout cohérent entre nous pour que nous soyons capables de combattre l'insécurité foncière. Vous, policiers, vous, déchouqueurs, pas gagner policier cap apparaître sur un terrain sans que il pas gagner une décision de justice qui accompagne le juge de paix qui rééquilibre pour capable accompagner lui pour sa protection. Policier, restez tranquille, pas quitter. Yon déchouqueur dit la vendre un mot sur terrain pour 10 000 gouttes. Pas quitter, ils font cadeau yon mot sur terrain. Vous, juge de paix, juge d'instance, juge d'instruction, doyen, pas quitter au jour, mon sauterre ça est pour commissaire, police. Pas quitter au jour, mon sauterre ça est pour commissaire du gouvernement, ou tel juge, sans façon que vous rassurez que vous êtes capable d'acheter terrain. Pas gagner un bagage comme ça, parce que son bagage que n'a pas combattu. Nous là, nous gagnons comme mission. Nous gagnons comme mission, non seulement pour nous capables de combattre l'insécurité foncière, combattre la détention préventive prolongée, mais de réduire le taux de la criminalité. C'est pour ça que je suis venu là matin. Je viens de visiter le pénitencier national pour me capable de voir dans quel état que les prisonniers ont trouvé. Nous connaissons que gagner des détenus qui là, qui sans dossier. Commissaire du gouvernement, mettez-vous à l'œuvre pour que Moussaïo yo jugé. Nous pas entendre que nos policiers, eh bien, pour être capable de satisfaire nos amis, ils prennent le monde, l'arrêter et ils viennent la guerre là sans dossier. Nous pas entendre que le commissaire du gouvernement, ou pas de réquisitoire déformé pour juger d'instruction, ou pas de citation directe pour correctionnel, ou ils n'ont pas classé sa suite, et puis nous sommes là dans la prison. C'est pas ça. C'est pas ça qui est justice là. Justice là, ça veut dire c'est arrêter mon nom pour ça que le fait. On mettez en détention et puis on déférer le juge qui est capable d'attendre à faire. C'est pour ça que nous là, bonne marche de la justice, pour le bon fonctionnement de la justice, pour nous capables de redorer le blason de la justice. C'est pour ça que nous là. Nous ne parlons pas pour rien encore. Nous ne pas venir satisfaire quel monde, quel que soit le gang, quel que soit niveau
nous n'avons pas de gagner, nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. Nous venons remplir une mission, mission que le gouvernement Moïse Joutla là nous. Administration Moïse Joutla fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et sous base ça, une délégation dirigée par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Rockefeller Vincent, qui était rendu à la prison civile de Port-au-Prince. Et bon, c'est une visite des lieux. Nous-mêmes tous, nous sommes sur place. Donc, désormais, il y a des dispositions pour le prendre pour que nous arrivions à combattre le phénomène de détention préventive prolongée. Donc, son prison qui était construite vers les années, en 1915, sous l'occupation américaine, pour environ 800 détenus, qui passaient de 800 à 3500 environ. Donc, nous-mêmes qui étions sur les lieux, nous avons idée de quelle situation infrahumaine que Mounio a évolué. Donc, comme on dit, nous avons une feuille de route en tant que commissaire du gouvernement que nous allons appliquer. Et feuille de route, ça, de concert avec Dekana, avec l'ensemble des juges et des juges d'instruction qui sont dans la juridiction noire, et de substituts commissaires du gouvernement pour nous savoir dans quelle mesure nous arrivons à combattre le phénomène de détention préventive prolongée. Donc, comme nous avons annoncé dernièrement, nous allons organiser des audiences correctionnelles et criminelles spéciales. Et il y a deux dossiers, alors, dans le niveau cabinet d'instruction, tout, l'un recevoir dossier, yo, donc le même jour, on a acheminé dans le cabinet et a un juge qui a tendu mon nom. Donc, s'il y a lieu pour le bail, pour la bail, mais sous première comparution en tout, la loi permet que s'il y a un indice contre mon nom, il voyait la loi. Donc, je pense que c'est ça. Et nous tous, nous conscients de la situation. Hein? Nous voyons que nous avons évolué dans un environnement, en situation infrahumaine. Et ça a interpellé nous. Et sur cette base, nous sommes obligés de faire tout ça qui dépend de nous pour nous voir comment nous sommes capables d'attaquer phénomène de détention préventive prolongée. Quel que soit fait ou t'es qu'à reprocher au monde, ligue un droit. D'ailleurs, le fait qu'il est en prison, l'hypoco condamné, c'est un présumé innocent. Et lors même qu'il t'a condamné, c'est un criminel qu'il t'a yé. Donc, en tant qu'humain, bon traitement pour le gagner. Donc, et ça que fait nous-mêmes, n'a pas regardé pour nous, ouais. Dans quelle mesure que nous sommes capables de mettre bouchée double pour nous si nous sommes capables de désengorger la prison. Et désormais, nous chita avec tout commissaire qui est dans la juridiction noire et nous avons des instructions pour que pas des mandats d'amener qui émettent pour des délits privés, pour que pas des arrestations qui fait sous base complaisance. Ok? Mais ça m'a pas tiré attention nous tous. Nous-mêmes, nous sommes témoins, nous faisons visite des lieux, nous sommes en prison. Ce n'est pas tout ça détenu dit qui est vrai. Attention, il y a des gens qui sont dans la prison en tout, qui disent qu'ils ont 8 ans, ils ont 10 ans, etc. Mais ce n'est pas uniquement retenu comme ça, nous faisons liste et puis nous disons tout le monde à la caillou. Donc nous allons analyser le dossier cas par cas pour nous voir qui est qui mérite aller devant tribunal correctionnel. Par exemple, bon bail qui très important. Il y a deux monde qui dans prison. Ça qui arrivé que moun nan dans prison et puis et fait que t'a commettre là, on dit que li commettre un délit mineur. Or li gen 5 6 ans dans prison. L'homme même que t'a condamné, li t'a purgé peine ni. Donc c'est du cas t'a pencher sur autre son liste et ouais dans quelle mesure que t'a capable résoudre problème ça. Parents, élèves, professeurs, directeurs d'école, inspecteurs, tout membre communauté éducative là.
10 août 2020, c'est un gros jour dans la vie élève yo. Côté y a pour reprendre chimé l'école pour continuer à apprendre. C'est un jour important pour l'État, pour le gouvernement, pour le ministère, pour tout parent et société. Côté timoun yo pour continuer à former tête pour yo kaitil pays à demain. Lègue l'école, gen la vie. Lègue l'école, gen l'espoir. Tant qu'on nous toujours dit, éducation c'est le plus gros outil pour développer en société. C'est le plus gros atout pour l'avenir de Timounio. Comme ça, nous comptons ouais, après plus de 4 mois, Timounio pour retrouver les camarades, les amis, pour avancer dans le chemin de connaissance. Citoyennes, citoyens, tout acteur et partenaire doit porter coller avec écoliers et élèves pour aider à finir l'année l'école là et avancer plus devant. Nous connaissons ça pas facile à toute difficulté qui gagne à question coronavirus là et l'autre problème encore tant qu'au problème économique. Mais ça fait l'école là, c'est un droit qui nous gagne pour yo continuer à apprendre dans quel qu'il en soit circonstance là. Comme ça, on a demandé au professeur et directeur l'école yo by bon gens encadrement à Timounio. L'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, fait un pile d'efforts pour régulariser et payer plus de 11 000 professeurs et personnel administratif. C'est un devoir pour enseignants et l'autre by Timounio bon gens service. C'est taxe chaque citoyen qui permet de arriver toucher. Pas qu'il y ait prétexte sur question ça, pour ces Timoun qui continuent à être victimes, pour les gens qui ont l'autre agenda sur l'école là. C'est immoral et manque éthique pour les gens qui essayent de venir bloquer l'école pour empêcher les gens de reprendre chimer l'école. L'école là, pas en politique. L'école, c'est pour dominer en société. Nous devons protéger contre tout ça qui va bon. Nous connaissons des revendications. A toujours gagné dans la société. Mais c'est dans le dialogue, compréhension, yon ak lot pour nous changer petit pas tout ça qui doit changer. Li pas qu'à faire dans crasé brisé ni sous dos l'école là. Mes amis, l'école change jamais nous. Li pas qu'à faire même gens encore. Nous obligés de protéger tête nous contre maladie et respecter toute consigne sanitaire dans le protocole là qui doit appliquer dans toute l'école. C'est tout le monde qui vous protocole pour nous protéger les élèves, les professeurs et le personnel de l'école là. Nous obligés de porter masse et respecter les règles de distance sociale pour nous dire que nous ne pas connaître. Précaution pas capon. Éviter meilleur passement des bagues. On nous protéger tête nous pendant que nous continuons à apprendre. Ce lundi 10 août 2020 marque le début du processus de réappropriation de l'espace scolaire par les élèves, les personnels pédagogiques et administratifs et de toute la vie associative socio-économique s'organisant autour de l'école. Organiser cette première étape de la reprise des cours en présentiel est le produit d'un processus fondé sur une démarche inclusive, participative et initiée dès le début de l'état d'urgence sanitaire. Mobilisation de tous les cadres de l'administration centrale, des directions techniques, des directions départementales d'éducation, d'acteurs, de partenaires en éducation, tant nationaux qu'internationaux, d'associations, d'institutions intéressées à l'éducation, mise en place d'une plateforme numérique de ressources pédagogiques et d'apprentissage pratique, création de comités thématiques autour de la problématique de la reprise, cours audiovisuels, organisation de visioconférences figure parmi les nombreuses activités entreprises par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Parallèlement, le ministère a finalisé plusieurs documents de politique publique, dont le plan décennal d'éducation et de formation qui va guider le secteur pour les 10 prochaines années. Du 19 mars 2020 à aujourd'hui, que de rencontres, de discussions, de débats sur l'éducation et son avenir en Haïti. La pandémie offre des opportunités à saisir pour réformer, moderniser le système éducatif, pour construire, in fine, une école résiliente qui impacte positivement la construction de l'État-nation et son développement. Je salue la contribution de toutes et de tous dans cette démarche novatrice qui nous permet de transformer des défis en opportunités. Nous devons poursuivre ce cheminement partenarial. Est-ce que le général en chef là a rencontré plusieurs groupes dans la société civile là? Le 11 juillet, dans quatre partenariats qui existaient entre police nationale et société civile,
particulièrement organisation droit monde qui relait cadre te gagnon journée de sensibilisation qui était réalisée dans Champ de Mars et ensuite dans marché Salomon sous stigmatisation qu'a fait sous monde qui a attrapé Covid 19. Nous t'ai jugé que travail ça c'est important. Dans la date 24 à 28 juillet, nous avons continué de travailler avec l'organisation cadre sur l'autre journée qui est pour réaliser encore. Et ensuite, pour renforcer le partenariat nous gagner avec eux. Dans la date 13 juillet, il y a une importante délégation qui est sortie dans le bureau primature, qui est venue rencontrer l'inspecteur général en chef là. Sur un document, on peut recevoir plusieurs allégations qui fait quoi que dans la période de pays là, il y a des droits qui sont violés. Et l'inspection générale a fourni toutes les formations gagnées sur le dossier SAIO qui est déjà en traitement dans l'inspection générale. Dans la date 21 juillet, une équipe. Inspection générale, terrain dans le sous-commissariat Salomon. Fois ça, nous pas allé faire enquête. Mais nous avons le côté support. Nous avons dit policiers, félicitations pour le comportement. Nous avons affiché le jour qui était dimanche après, nous avons fini de fermer le carouache là. Pas que nous avons fini de fermer le carouache là. Nous avons un individu mal intentionné qui était pour mal plaisir de le voir roche sous sous-commissariat. Les policiers n'ont pas quitté pour une provocation. Ils ont bien réagi. Ils ont connu la population pour les protéger. Malgré les gens qui ont attaqué, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas supposé faire. Nous avons dit nous avons félicitations. Et ce n'est pas une bonne attitude du tout à la population pour te afficher. C'est courir la police, travailler avec la police, bah, la police et formation, c'est ça qui est important. Au cours du mois de juillet, l'inspection générale a rencontré avec l'organisation de l'homme qui est l'IMED, ensuite Karl Levesque. L'organisation SAIOTOU est venue porter information à l'inspection générale sur quelques violations de l'homme. Et nous disons merci pour l'information qui est nous, qui permet de travailler bien, qui permet de vérifier plus d'informations. Nous continuons à collaborer ensemble avec eux. Et support yo très important pour nous. N'a passé en félicitations qui étaient adressées à plusieurs policiers. Yo. Félicitations ça yo, te kon toujours fait. Mais elle te kon rete non cadre fermé en deux institutions. Au commandement te décidé pour pas rester comme ça encore. Qu'on y a pour toute population connaît qui policier qui fait bon travail, qui policier qui bien fait travail. Qui policier qui nan souci qui pour porter contribution à la population, hein, fait un pile sacrifice. C'est comme ça, direction départementale Nord-Est, voyons liste, bah, inspection générale, policiers qui ont été félicités. Et liste policier ça, c'est David Mar Iralis, agent 2, 24e promotion, Val Saint-Wesley, agent 1, 26e promotion, Saint-Muller, 25e promotion, agent 1. Saint-Lô, Jackenson, agent 1, 25e promotion. Sénatus Bickel, agent 1, 25e promotion. Richer Jacquener, agent 1, 25e promotion. Joseph Apollos, qui sont policiers qui travaillent dans sapeurs-pompiers. Par rapport à l'aide ça, aux policiers ça recevoir, c'est un message qui est lancé par tout l'autre qui peut dire aussi un bon exemple. Parce que là où fait bon travail, il est pour suivre dans l'institution, mais positivement. Et là où fait ça qui passe, négativement, la suivre tout. Employé qui personne devant directeur centre. Employé n'a pas de chance pour être directeur. Je dis, on s'est des bagages des lits. Je dis, moi, je m'en ai un pour le dire non. Qui livre gain pour maman non, ou bien papa non, ou bien petit garçon non, petite fille non, qui nous remet en pile,
En même temps, nous avons aimé les marionnettes pour bien servir les gens. En même temps, pour ne pas oublier, pour ne pas oublier le petit. Déjà, je là aujourd'hui. Hein? Pour dire non, qui direction tu étais par EDH. Moi, je dis personne ne pas inquiété. Il n'est pas venu faire la chasse aux sorcières. Seulement, je voulais libérer EDH. Pour EDH libéré. Pour le cas mieux servir la population et mieux servir les employés. Moi-même, je ne suis pas trop long. Mais ça me souhaitait moi-même. Et faire des routes, président Banou. Président dit qu'il souhaitait l'op dans chaque famille, l'humain, chaque jour, à partir des courants EDH. Et c'est pour ça que nous n'avons pas venu dans compte aucun petit EDH, quel que soit côté lié. Le travail que nous avons fait, c'est pour tout petit EDH. Et c'est pour tout client EDH. Donc, et déjà, nous venons aujourd'hui, Menen Banon, c'est après nous, Zamino. Si nous avons un problème, parlez avec elle. Et suivez le bon match EDH tout. En pile rumeur pour sur vous. En pile pression faite, mais vous gardez calme. Je dis non, merci et félicitations pour ça. Donc, victoire aujourd'hui. Ce n'est pas victoire président. Ce n'est pas victoire premier ministre. Ce n'est pas victoire ministre. Ce n'est pas victoire DG. Ce n'est pas victoire. C'est pas victoire libération, c'est victoire employé EDH, c'est victoire client. Sans honte, je dis, pour nous trouver dans le monde là, pour ne pas travailler courant, pour ne pas allumer à partir de EDH. On n'a pas de orgueil, on n'a pas de aucun adversaire ni ennemi. Moi-même, je suis un karatéka. Je vais vous mettre au monde. Il vit des matins, il vit des matins, après-midi, on va à la collade, on va ensemble. Pour bien karaté. Pour bien EDH. Moi, j'ai même tout syndicat ici. Quel est le syndicat, quelle est la libération, quel est le festival. Tout employé, téléphone ouvert pour nous. Pour nous être ensemble. Pour nous donner des DG, pour nous faire EDH marcher. EDH n'est pas qu'à marcher dans la division. Mais seulement, tant que EDH dit, les gens qui viennent chercher des intérêts personnels, ils ne sont pas d'accord. Donc, si tu es gagote, il finit. En nom du directeur de production, comment ça travaille depuis aujourd'hui? Pour nous, comment nous pouvons améliorer ça, client? Tant pis, tant pis, tant pis. Si nous avons un problème, relève. Si nous n'avons pas qu'à jouer, relève. Téléphone même toujours Bali, 39 99 11 25, 20 WhatsApp ban moi, Abdi DG, recevoir tel, des gros bagages pour dire. Donc, s'il vous plaît, fini discussion. Fini parler en pilio. À notre travail, pour bien aider. Nous gagnons en pile de gars déjà. Donc un petit circuit qui est ouvert, qui fait que même dans les courants, on va avoir suffisamment de bagages pour nous. Et à des moments, nous avons su, nous avons des quantités que nous avons touché tout le monde. 4 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, etc. On va arriver à faire parce que nous avons dans l'impossibilité de monter sur les réseaux. Malgré volonté, technicien réseau. Mais comment on a distribué dans zone ça avec les pouvoirs, dans zone ça avec les pouvoirs, mais qui zone ça qui est en pouvoir. Pour que tout le monde gagne information. Pour que tout le monde gagne information. Pour amélioration, parce que c'est qui comment c'est ouvert. Next, ça va travailler. Presque 24 sur 24, vous avez eu des moyens de vous faire. Depuis pendant deux jours, il y a accéléré.
Donc si on est à nous rester dans le même rythme, là, tout ce qu'on a content, quand ces populations commencent à dire, c'est pour crise, mais mon idée à chaud. Vous saisir le coup de l'air pour nos services. Et là, ça va pour nous faire pression sur nous, qui a dit bon petit comme là, comme bon service. Le jour, c'est pas la main, parce que bon service. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.